Évidemment, aujourd'hui, c'est son nom qui attire l'attention. Il marche sur l'eau depuis le début de saison. On va voir ça ensemble. Toutes les informations possibles. Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être objectif. Attendez, ma première vidéo, la vidéo, je l'attends, il est 8h31. On peut aller faire le film. Le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Da Fonseca. Feuilleton favori place à la Ligue 1 Uber Eats pour un nouveau chapitre. L'Olympique de Marseille contre Lille. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. Et l'arbitre indique le corner. Yazici bien placé. Magnifique ce contre. Et les voilà en possession du ballon avec Youssouf Yazici. Oh, que je perds ce match parce que j'ai fait qu'une défaite dans la Ligue 1. Il faut pas que ça soit ma deuxième. Je passe à niveau pro. Ça débute mal avec cette grosse occasion loupée. Mieux vaut rapidement oublier ça pour ne pas se mettre à douter. Même s'il doute. Et l'élément clé de l'entrée. J'ai vu la tête qu'il a fait. André. Yazici hérite du ballon. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Le ballon vers Yazici. Facile dans les bras du gardien. Il y a beaucoup d'occasions pour le Stade Rennais, une équipe qui vient de remporter Lille lors de son dernier duel face à Lorient. À quoi on peut s'attendre de leur part aujourd'hui? Oui, une victoire dans un match avec et sa défaite hier contre l'OM. Je les vois bien poursuivre en Coupe de France. Bonne lancée et gagner à nouveau aujourd'hui. La France en folie, folie. On mouille le maillot. Comme Milik. On au but comme l'OM. La bonne mère. La bonne bière. Le drapeau. ICO. 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 Gendouzi. Gendouzi. C'est la passa. Dimitri. Ça veut permettre de le marquer. Après 2 minutes, il va marquer. Voilà. C'est reparti avec les Lillois menés d'un but. Il faut une réaction maintenant. Milik. Youssouf Yazici. Très bonne intervention. Et ça peut être dangereux. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Imagine les gars, pour marquer, il fallait aller dans les buts, il fallait faire voilà, aller c'est là. Un profil incontournable dans cette équipe. On s'attend à une... Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Intervention facile pour Paulo Lopez. Le signe historique, c'est le signe Jules. Ah, ce ballon qui est perdu. Ah, le ballon intéressant. Et le danger toujours. Pas de but sur cette énorme occasion. Et un seul but d'écart entre les deux formations. Il va falloir penser à se mettre rapidement à l'abri. Je me suis mis à un niveau pro les gars. Comme maintenant quand je vais faire mes matchs. Les joueurs ils vont être à un niveau pro. Comme Marseille-Paris hier, j'ai fait un match Marseille-Paris. Les gars c'est mort, plus jamais je le fais. Dans un autre FIFA, voilà. Ah oui, l'excellent ballon. Oh, le but de Milik. Arkadiusz Milik. Le voilà, le barrilete cosmico. Le cerf-volant cosmique polonais. Et avec ce but, de Marseille. C'est un but en 10 matchs, Arkadiusz Milik. Un bon ballon aérien. Il n'est pas bouilli quoi. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ce
Suarez. Oh, attention à ce ballon. Bon, mais tout une équipe de France, tu peux le faire. La passe vers Milik. Et pourquoi pas un tir? Attention à cette frappe. Ouh, c'est contré, in extremis. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Hors-jeu, position de hors-jeu au départ. C'était presque trop beau là. Comment ça y est, hein? André. Ça m'a André là. Le ballon pour Jonathan David. Attention, voilà un bon duel. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met ah, j'arrive à maîtriser le niveau. Il bouge parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Ouais, le crochet pour aller provoquer à l'intérieur. Ouais, quelle interception. Il fallait intervenir. Et il prend le dessus sur l'adversaire. Ouh, l'occasion de revenir. Et oui, c'est le but. C'est au fond, cette réalisation pour continuer à y croire et pour vivre encore dans ce match. Le match reprend, le score est maintenant de 2 buts à 1. Et un ballon dans la profondeur. Oui, joli réflexe. Suarez. Ouais, c'est en direction d'Arkadiusz Milik. Aïe, 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 ballon perdu. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. La frappe contrée sans souci. Il y a un contre possible à jouer là. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Oh, la frappe. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Et finalement, pas de danger. Et la récupération du ballon. Milik, le gardien relâche dans la zone dangereuse. Et la super intervention, mais finalement, hors-jeu est signalé. Mais les tricheurs sur leur jeu. Jonas Martin, dépossédé du ballon. La passe vers Milik. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Le gardien se couche bien sur ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Youssouf Yazici. Bonne présence au contact. Le ballon est bien repris. Et le ballon sorti renvoie aux 6 mètres. Allez, go. Les voilà dépossédés du ballon. La passe vers Milik. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match. On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Bamba Gen. Ah oui, oh. Excellent ballon. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. C'est la reprise dans ce match et donc d'avance. Bamba. Il y a un contact mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. José Font. La balle pour Benjamin André. José Font, là, non mais. Dessus sur l'adversaire direct. Bonne intervention du gardien. Oh,
Oui, bonne récupération du ballon. Pour Jonathan David, le tir. Ah, la frappe est contrée. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. C'est récupéré. Oh, bon pressing. Yazici, la frappe. Et bon arrêt du gardien. Ah, ouais. Ah, le corner bien tiré. C'est donc la fin de cette première mi-temps. Réussi hein, cette période de qui joue à domicile. Une belle avance pour l'Olympique de Marseille. C'est reparti dans ce match. Oh, et c'est bien servi. Ah, mais il est trop fort. Il est trop fort. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. André. Le ballon vers Yazici. Ballon rendu à Bamba. Il s'est bien Bamba. Défendu. Le ballon est récupéré. Ah, une bonne contre-attaque peut-être. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Zedatka. Yazici dans la surface. Oh, c'est dedans, but! Ça va, on a 3 buts d'écart. Un match inédit, beaucoup de buts. Le score est maintenant de 5-2. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Il y a pas de s'abonner, d'où il y a faute. Mauvaise passe et le ballon est rendu trop facilement. Là, il y a faute. Et au programme des rencontres à suivre bientôt, nous avons à vous proposer de la Ligue 1. L'OM affrontera l'AS Monaco. Oh, l'occasion de but, attention. Les gars, 22 octobre, affronter Marseille-Monaco. Mais ça va pas être le 2 octobre, c'est la date dans le jeu. Mais le 28 janvier, prochain match de l'Olympique de Marseille, c'est Marseille-Monaco le 28 janvier et j'y vais. Ah, oh, peut-être. Un peu de coaching avec ce changement. On va faire le match, on va garder ça pour le 28. Et voilà, le ballon est récupéré par la défense. Zedatka. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. Yazici. Eric Bailly. Ça joue Zedatka. Eric Bailly, il est plus à l'OM là. Il s'est fait suspendu. Après un coup dans le torse. Il y a de l'espace. Le ballon vers Yazici. Allez, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. La passe vers Milik. Oh, le ballon intéressant. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Je maîtrise le niveau pro aussi. Ah, c'est un match à sens unique. Cette équipe est vraiment au-dessus du lot. Le tableau d'affichage clignote, mais d'un seul côté. Et ça peut être dangereux.
Alors parmi nos prochains rendez-vous, on vous proposera bientôt un match de Ligue 1. Lille affrontera Montpellier. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Ça sort des limites, c'est une touche. Bon crochet pour revenir dans l'axe. Ah non, finalement le ballon est perdu. La passe vers Milik. Attention Milik. Allez, et go. Quelle punition. Mais il est en train de twerker là. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. Pic de Marseille. Placement, précision. Arkadiusz Milik. Il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Ismaili. Maili. Non. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Attends, on va voir. Comment il se débrouille quand je vais dans les cimes? Attendez. Suarez. De l'espace pour l'OM sur le côté. Le centre n'arrivera pas à destination parce qu'il est contré. Alexis. Il frappe. Goal. Ça passe, lui. Une grosse différence sur le terrain qui se reflète sur le tableau d'affichage. C'est sans aucun doute un match à sens unique. Yazici. Attention là, Jonathan David. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Suarez. Arkadiusz Milik reçoit le ballon. Ah, la perte de balle. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Bah les gars, on sait comment on est dans les 5 dernières minutes du match. Voilà, c'est bien joué, bien défendu, mais attention au pressing. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Yazici dans la surface. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas cadré. On se demande pourquoi choisir la force quand on est si près du but. Ben voilà, c'est un changement donc. Le numéro 70, Alexis Sanchez. À sa place, le numéro 21. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Le temps additionnel, 2 minutes. André. Temps additionnel. Yazici hérite du ballon. Yazici la frappe. Excellente intervention, le ballon est capté. Ah, il élimine son adversaire. Timothy Weah la frappe. La fin donc du temps réglementaire. Ah, tout est bien. Marseillais de ce match. 3 points pour les Phocéens. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de